Bonjour à toutes et tous. Pourquoi sommes-nous ici aujourd'hui? Le 7 décembre dernier, sur invitation, deux médecins ainsi que trois chercheurs PhD, dont deux spécialistes en ARN messager, ont rencontré les administrateurs du Collège des médecins du Québec. Ceci faisait suite à deux lettres précédentes où nous avions formulé nos doutes et nos craintes quant aux conséquences d'une vaccination génique sur la santé des enfants et des femmes enceintes au Québec. Pourquoi s'adresser au Collège des médecins du Québec? Collège signifie, selon le dictionnaire, une réunion de personnes ayant la même fonction, la même dignité. En l'occurrence, on parle ici de médecins. L'institution du Collège appartient donc aux médecins qui ont prêté le serment d'Hippocrate et elle appartient aussi à la population du Québec qui doit être protégée par cette institution qui est à son service. Le Collège des médecins du Québec, contrairement à d'autres instances politiques qui ont géré la pandémie COVID-19, est une institution qui est ou devrait être totalement indépendante. Plusieurs articles du Code de déontologie des médecins garantissent cette indépendance. Il nous est donc apparu que le Collège était le dernier rempart de protection, particulièrement en ce qui concerne les enfants et les femmes enceintes, devant un produit génique méconnu et non testé au préalable chez les animaux. Cette lettre qui vous sera lue est donc adressée aux administrateurs de notre ordre professionnel. Elle demande que soit respecté à la fois le Code de déontologie des médecins du Québec et le serment d'Hippocrate. Ce dernier serment se résume par la formule consacrée « Primum non nocere », premièrement « ne pas nuire », ou dit autrement, le principe de précaution. Monsieur le Président du Collège des médecins, nous tenons à vous remercier de nous avoir reçus cinq d'entre nous, médecins, scientifiques et chercheurs, le 7 décembre dernier pour discuter de la gestion de la crise sanitaire COVID-19. Nous remercions également les docteurs Isabelle Tardy, adjointe à la direction, Marie-Josée Dupuis du syndic et docteur André Luyet, directeur général, pour leur écoute particulièrement attentive et professionnelle. Bien que d'entrée de jeu, vous ayez exclu la participation éventuelle de nos experts ou d'un membre de notre groupe à la formation d'un comité de réflexion, vous nous avez tout de même permis de nous exprimer sur la vaccination expérimentale des enfants et femmes enceintes du Québec. Nous notons également que vous n'avez formulé aucune opposition aux interprétations proposées lors de nos communications écrites et verbales. Vous êtes évidemment toujours invité à le faire. Entre-temps, nous croyons autorisés à poursuivre notre réflexion sur ces mêmes bases, puisqu'elles sont supportées par la science. Vous nous avez souligné, Dr Godreau, que le Collège des médecins du Québec n'est pas une société savante. Mais peut-il pour autant se situer en marge de la science? Sa conduite doit-elle s'inspirer des firmes de commercialisation? Où doit-elle s'inspirer des analyses scientifiques les plus rigoureuses et indépendantes qui soient? Les véritables motifs que poursuit l'industrie en matière de vaccination des enfants sont, d'une part, mettre les fabricants sous le parapluie juridique de la loi sur les vaccins en leur garantissant ainsi une immunité judiciaire totale conférée par ce statut particulier, et, d'autre part, s'assurer d'un revenu récurrent considérable année après année en introduisant ce produit dans le calendrier vaccinal des enfants. Dans ce plan d'affaires purement mercantile, comme on peut s'y attendre d'une société à but lucratif, en aucun cas l'intérêt de l'enfant n'est pris en compte. Le Collège des médecins prendra-t-il le relais? Le Collège des médecins n'est-il pas l'ultime rempart pour garantir le bien-être et la sécurité de nos enfants? De quel côté de l'histoire, de la science et de l'éthique sur ce sujet capital touchant les enfants et les femmes enceintes du Québec, le Collège des médecins du Québec se positionnera-t-il? Chaque jour, des enfants au Québec sont injectés par un vaccin génique à ARN messager.
ce vaccin génique leur est administré sans que les parents ne soient informés de façon complète et intelligible des dangers et risques de ces produits, sans qu'on leur dise clairement qu'il s'agit là d'un produit expérimental qui n'a pas été testé chez les animaux de façon adéquate, sans que les parents ne sachent que ce produit peut affaiblir de façon durable le système immunitaire de leur enfant, sans qu'on leur dise qu'il s'agit d'un produit complètement différent des vaccins traditionnels qu'ils connaissent, sans qu'on souligne qu'environ 70 à 90 % des enfants n'en ont pas besoin, ayant déjà acquis une immunité naturelle, laquelle immunité surpasse en qualité et en durée l'immunité lacunaire conférée par le produit qui leur est offert, sans qu'on leur explique que ce produit n'a été l'objet d'aucune étude concernant leur toxicité, sans qu'on les informe que cette substance inflammatoire a le potentiel d'entraîner des dommages durables à certains organes du corps humain. L'utilisation de la thalidomide et du diéthylstilbestrol, le DES, durant la grossesse dans les années 60, avait eu pour conséquence des malformations fœtales et des cancers gynécologiques des décennies après l'administration de ces produits. Lors de notre rencontre, vous n'avez pas démenti le parallèle tout à fait opportun qu'il convient de faire entre ces produits et les vaccins géniques qui en courent. Le Collège des médecins du Québec, qui a 150 ans d'histoire, se souvient-il de ce drame iatrogénique dont les victimes sont encore identifiables aujourd'hui? Le Collège prendrait-il le risque d'assister en spectateur à la répétition d'un drame similaire? Le Collège des médecins du Québec a-t-il été entraîné dans le sillage d'une campagne de promotion de ce produit expérimental? Si c'est le cas, aurait-il, ce faisant, suspendu ou occulté des pans entiers de son propre code de déontologie, dont le droit des citoyens à un consentement libre et éclairé? Rendant ainsi les parents et femmes enceintes du Québec inaptes à prendre une décision lourde de conséquences au nom de leur enfant bien vivant ou à naître. La compagnie Pfizer, dans le feuillet explicatif de son vaccin génique, dit ce qui suit. Il n'y a aucune donnée qui permette d'établir la sécurité de ce vaccin chez les femmes enceintes. Pourquoi alors imposer au Québec ce produit aux femmes enceintes en les gardant ignorantes de sa véritable nature? Ces substances sont injectées à nos enfants et à nos femmes enceintes par un processus irréversible, c'est-à-dire par des injections qui franchissent les barrières naturelles de protection du corps humain. Elles ont été présentées à la population comme étant des vaccins comme les autres, comme des produits sûrs et efficaces, ce qui constitue, à notre avis, une désinformation de haut niveau. On proclame haut et fort le principe déontologique de choix libre et éclairé, sans menace ni contrainte. Qui osera encore prétendre que ce principe a été respecté alors qu'on a constitué une loterie pour les enfants vaccinés, qu'on a ostracisé dans les écoles les enfants non vaccinés, qu'on a interdit à des enfants non vaccinés l'accès au sport et qu'on est allé jusqu'à menacer de refuser l'assistance médicale à des femmes enceintes non vaccinées? Les parents n'ont pas été informés des dangers de ces produits à court, moyen et long terme. Pourtant, les autorités de santé savent ou auraient dû savoir depuis longtemps que ces produits ont causé une foule d'effets secondaires, ce que tous les systèmes de détection du monde ont démontré. En février 2021, Pfizer avait colligé 1291 effets indésirables différents de son produit. Ces produits ont causé plus de morts, plus de morbidité que tous les véritables vaccins combinés en 30 ans d'utilisation. Ces violations de nombreux principes du Code de déontologie des médecins sont si flagrants et sont vectrices de conséquences si pernicieuses et judiciables pour nos enfants et nos femmes enceintes
qu'elles imposent une action urgente. Une simple réflexion théorique n'est pas de mise. Ces violations imposent plutôt des recommandations urgentes de la part du Collège des médecins du Québec à la Santé publique du Québec et au gouvernement pour déclarer un moratoire immédiat sur la vaccination des enfants et des femmes enceintes, provisoirement à l'obtention des résultats de travaux de comités d'experts indépendants, à l'instar que la proposition qui vous a été faite. Il est nécessaire de préciser ici qu'en concordance avec le Code de déontologie des médecins, il ne doit y avoir ni conflit d'intérêts, ni même apparence de conflit d'intérêts. Par conséquent, les experts qui entretiennent des liens étroits avec l'industrie pharmaceutique devront être exclus d'emblée de tout comité indépendant statuant sur ces injections géniques. Les articles 7, 63 et 64 du Code de déontologie des médecins sont on ne peut plus explicites à ce sujet. La population a droit à une information libre et éclairée. Doit-on le rappeler? Après beaucoup de retard et sous pression, le CDC, Center for Disease Control, a finalement dévoilé en juillet 2022 les alertes de sécurité concernant les effets indésirables rapportés dans le système américain de rapport des effets secondaires, VAERS, Vaccine Adverse Events Reporting System. Un signal d'alerte est un signal qui est associé, selon toute probabilité, à l'administration du vaccin génique. Parmi ces signaux d'alerte, on note 65 signaux pour les enfants de 5 à 11 ans et 92 signaux pour ceux de 12 à 17 ans. Le déni face à de telles informations n'est plus possible. Les slogans publicitaires, tous plus rassurants les uns que les autres, vaccins comme les autres, vaccins sûrs et efficaces, myocardite rare et bénigne, immunité vaccinale meilleure que l'immunité naturelle, etc., affirmés en boucle, ne pourront nous soustraire à nos responsabilités face à la justice. Les médecins, les administrateurs, les influenceurs, ainsi que les autorités de santé du Québec sont soumis au Code pénal et doivent tous prendre conscience de leurs responsabilités légales, immédiates et futures. C'est pourquoi nous vous implorons une fois encore, Dr Maurice Gaudreau, de recommander la suspension immédiate de la vaccination COVID-19 des enfants et des femmes enceintes au Québec, ne serait-ce que par respect du principe de précaution. The effects of the experimental gene vaccination on adults are relevant for children as well. Firstly, because it is the same product. And secondly, because analysis of the secondary effects in adults informs us as to what we might expect if, as was decided, we were to inject children as well, especially considering the lack of information and data concerning the risk-benefit analysis in children. In Quebec, it is clear that, despite the most restrictive mandates compared to the rest of the Western world, and despite the high vaccination rate well beyond initial goals, the SARS-CoV-2 coronavirus has predictably never been contained or controlled due to its well-known high mutation rate. It is also important to note that in Quebec, in June 2022, according to official government statistics, people who had received 3 doses of vaccines were largely overrepresented among those hospitalized with COVID-19. Thus, the risk for a 3-dose inoculated person to be hospitalized was 46% higher than that of a non-vaccinated person. Put another way, being fully vaccinated is a risk factor for COVID-19 hospitalization. Between July 2021 and June 2022, again according to Quebec government statistics, the risk of dying from COVID-19 was much greater if you were fully vaccinated than if you were not. These embarrassing statistics
contrary to the promotional rhetoric surrounding gene vaccination, are no longer being published here in Quebec, in the United Kingdom, and elsewhere in the Western world. These official data were communicated to us following a specific request via the Access to Information Act. We also have to question why so many European countries have now suspended the gene injection program in the under 12-year-old population. Countries such as Finland, Denmark, Sweden, Norway, Germany, Australia, the United Kingdom, and the state of Florida. Consider the following clinical and epidemiological data that raise serious concerns and leave us puzzled. One, the significant excess deaths recorded in the under 50 age group since the introduction of the experimental vaccine. And two, the very significant multiple security alerts that normally should have led to a suspension of this vaccination program, according to long-established FDA guidelines, Food and Drug Administration guidelines. Merely pointing out these two statistical facts would have been sufficient to cause a landslide of reactions from cohorts of journalists, fact-checkers, and doctors. We remind them that an approach free of commercial bias, in all intellectual honesty, and in the best interests of the children, would have provoked a call to find an explanation for these undeniable facts. If we had not sacrificed the precautionary principle and the Hippocratic Oath, above all, do no harm, then these two facts alone, the excess deaths in adults, as well as the security alerts, should have been sufficient to provoke an immediate moratorium of the vaccination program for pregnant women and children in Quebec. It is only a matter of time before Health Canada authorizes the inclusion of the COVID-19 bivalent vaccine into the childhood vaccination schedule, thus transforming it into a de facto obligation. It will be difficult for ill-informed parents to detect the subterfuge, all the more so as this gene therapy will likely be combined with real vaccines like measles and rubella. If this happens, you will have contributed by your inertia and passivity to a colossal fraud with serious, potentially damaging consequences in the years and decades to come that will affect an entire generation and perhaps multiple generations. According to the Quebec Public Health Act, Quebec politicians have been and are responsible for the management of the quote-unquote pandemic. We understand that politicians are the target and focus of relentless lobbying by marketing firms such as McKinsey and by various pharmaceutical companies. Politicians feel they must ensure that the many pharmaceutical company head offices remain in Quebec and that Moderna gets established in Laval in order to preserve well-paid jobs. Therefore, only a politically independent body, such as the Quebec Medical College, dedicated and mandated to protect the public and in some ways the public's ultimate guardian, can act without any interference for the well-being of children. This duty to protect children and pregnant women, Dr. Gaudreau, is ultimately your responsibility. We must not allow the experimental technology to sidestep all the institutions and mechanisms in place to protect the public, despite the best efforts of the manufacturers and marketing firms. We must ensure that the pharmaceutical industry can neither evade nor avoid all the steps necessary in order to ensure the safety of any product before its release, especially a product potentially destined to be part of the permanent vaccine schedule and injected into all children.
We must also ensure that parents have adequate information in order to be capable of giving fully informed and non-coercive consent for any therapy destined for their child. Dr. Gaudreau, when working in a position of service to the public, a position of great responsibility, there comes a time in that person's career when he or she is called upon to make a decision that requires courage and integrity, a decision where the public safety and well-being are paramount and are the major considerations. That decision, Dr. Gaudreau, must be to call for a moratorium of the gene vaccination of pregnant women and children immediately. En conclusion, en l'absence de décision résolue et concrète de votre part, nous allons poursuivre inlassablement notre travail. Nous sommes des professionnels ayant bénéficié d'une éducation de haut niveau, laquelle éducation ne saurait être dissociée d'un devoir de service et de protection de la population. La présente est aussi une invitation à tous les médecins et aux autorités sanitaires du Québec à adopter une position qui sera gravée dans l'histoire et jugée selon les plus hauts principes d'éthique et de science. Nous représentons de nombreux médecins et professionnels qui préfèrent l'anonymat dans une période de censure factuelle et scientifique implacable. Plus important, nous représentons des milliers de citoyens qui ont été des victimes impuissantes et qui appuient notre démarche. Il ne sera pas dit que nous n'aurons pas fait avec des moyens limités tout ce qui était en notre pouvoir. Cette lettre est un abrégé de la lettre envoyée à Maurice Gaudreau avec des copies à l'Institut national de santé publique, le ministère de la Santé et des services sociaux, l'Association des pédiatres du Québec. Différents ordres professionnels tels que la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, la Fédération des médecins spécialistes du Québec, l'Association des cardiologues, le Département régional de médecine générale, ainsi qu'aux médias, Le Devoir, La Presse, Le Soleil, le Journal de Montréal, Radio-Canada, Le Droit, l'Actualité médicale, les 125 députés de l'Assemblée nationale du Québec et les associations de parents. Merci de votre écoute. Thank you.